Pagain journaliste, pagain démocratie. Chaque menace contre yon journaliste, c'est yon menace contre liberté. Le 3 mai, nous célébrerons la journée mondiale de la liberté de la presse pour rendre hommage au travail déterminant rempli par les journalistes à travers le monde et plus particulièrement aux journalistes haïtiens. Donc c'est en prélude à cette commémoration que l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, l'UNESCO, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise ce procès simulé pour inviter les différents acteurs de la société haïtienne à réfléchir davantage sur la question de la protection des journalistes et la lutte contre l'impunité des crimes commis à leur égard. Ce procès simulé va aussi vous montrer que la justice pour les journalistes tués en Haïti est possible, dès lors que la volonté des acteurs concernés est au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nul besoin de rappeler le rôle central qu'occupent les journalistes au sein de la société haïtienne. Par leur travail, ils s'efforcent à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité, et à mettre les gouvernants face à leurs responsabilités. Les journalistes contribuent à faire vivre les droits fondamentaux de tout citoyen, leur droit à la liberté d'information, leur droit à la liberté d'opinion et leur droit à la liberté d'expression. En plus de chercher, de traiter et de diffuser l'information, les journalistes contribuent aussi à sauvegarder la démocratie, à promouvoir les droits de l'homme et à garantir le respect de l'état de droit. Mais en dépit de ce rôle, nous constatons malheureusement que la sécurité des journalistes s'est davantage dégradée ces dernières années. Dans un contexte d'insécurité grandissante, dominé notamment par l'influence des gangs, les atteintes à la vie et à la liberté des journalistes se multiplient. À cet égard, je souhaiterais ici que nous ayons une pensée toute particulière pour les 3 professionnels des médias qui ont perdu la vie depuis janvier 2022. Et permettez-moi de citer leurs noms. En l'occurrence, il s'agit de Wilgens Wissan, Amadi John Wesley et Lazare Maximilien. Ils ont été tués dans l'exercice de leur métier pour avoir cherché la vérité. Leurs noms viennent s'ajouter aux 16 autres journalistes qui ont été tués en Haïti depuis 2000. Réunir des professionnels du droit pour simuler un procès de journalistes d'investigation assassinés n'a pas été chose facile. Nos remerciements, nos très sincères remerciements s'adressent en particulier à Maître Nathalie Wakam Cyprien pour son rôle de leadership dans la mise en scène avec ses pairs de cet exercice combien significatif. Ce procès simulé est d'autant plus important compte tenu qu'il se situe dans le cadre d'une action de sensibilisation des pouvoirs publics et la population en général sur la nécessité de prévenir et punir les crimes commis contre les journalistes. Mais aussi de rappeler à l'ensemble des acteurs la dimension primordiale de la liberté de la presse et la liberté d'expression dans la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. C'est aussi une action qui entre dans le cadre de l'implémentation du plan d'action des Nations Unies, premier effort concerté de l'ONU qui traite les questions d'impunité et de journalistes et de sécurité des journalistes. En Haïti, dans un environnement sécuritaire particulièrement préoccupant, le travail des journalistes est fortement, comme vous le savez toutes et tous, affectés. Au cours de cette année 2022, 3 professionnels des médias ont été malheureusement tués dans l'exercice de leur métier et plusieurs cas d'agression ont été enregistrés. Cette simulation de procès tient lieu d'un appel collectif aux autorités pour protéger les journalistes et surtout emboîter le pas pour mettre fin à l'impunité des crimes commis contre eux, par l'aboutissement des enquêtes et investigations de crimes commis contre les journalistes, en mettant l'action publique en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices, et en jugeant les individus présumés impliqués dans ces meurtres. Depuis 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 3 mai, journée mondiale
de la liberté de la presse pour rappeler au gouvernement leur engagement sur la nécessité de respecter et de faire respecter la liberté de la presse consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette liberté est consacrée par l'article 28.1 de la Constitution haïtienne stipulant « Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. » Pour la commémoration de cette année, le thème retenu par l'UNESCO est les journalistes sous l'emprise du numérique. Mais ici, le bureau de l'UNESCO et ses partenaires ont choisi d'organiser un procès simulé sur les cas de journalistes assassinés. L'organisation de ce procès simulé exprime nos attentes de justice pour les journalistes assassinés et rappelle au gouvernement haïtien ses engagements en faveur de la liberté de la presse. À ce procès stimulé, nous dénonçons l'impunité dont bénéficient les bourreaux et assassins de journalistes qui continuent en toute quiétude d'attaquer, d'enlever, d'assassiner les journalistes. Pendant les 30 dernières années, une vingtaine de journalistes sont assassinés. Nous citons entre autres Jean-Léopold Dominique, Brignol Lindor, Jacques Roche, Némi Joseph, Diego Charles, Marie-Antoinette Duclerc. De tous les cas de journalistes assassinés, deux seuls procès ont été organisés. Celui de Brignol Lindor à Petit-Gouave, qui n'a pas permis, malheureusement, d'identifier les auteurs intellectuels de cet assassinat. Celui d'Alix Joseph au Gonaïve, dont l'assassin a été libéré après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Aujourd'hui, à travers ce procès simulé, nous interpellons et demandons aux juges de la Cour d'appel et ceux de la Cour de cassation, que comptent-ils faire du dossier du double assassinat du 3 avril 2000, Jean-Léopold Dominique et Jean-Claude Lucin. Au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qu'attend-il pour mettre l'action publique en mouvement, pour identifier et juger les assassins de Diego Charles, Marie-Antoinette Duclerc? Aux doyens des tribunaux de première instance de Port-au-Prince et de Mirebalais, que font-ils des dossiers de l'assassinat de Roswith Pétion et de Némi Joseph? Aux journalistes et juges instructeurs, ancien secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, Maître Jean Wilner Morin, qu'en est-il du dossier de Vladimir Le Gagneur? Au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, l'impunité, qu'est-ce que cela vous dit? Les avocats demandent justice. Les journalistes demandent justice. Les étudiants demandent justice. Les professeurs demandent justice. L'université demande justice. Les policiers demandent justice. Les bandits armés aussi demandent justice. Toutes les couches de la population, à tous les niveaux de la société, demandent justice.